والبغض. البغض، الهوستيليتي. المؤمن لا يكره أخاه المؤمن. المؤمن لا يكره أخاه المؤمن. هذا تنشأ عنه العداوة والبغضاء. Le croyant ne fait pas preuve d'hostilité envers son frère croyant. Or, ceci génère de l'animosité entre les deux. Ça génère des tensions et des choses qui ne conviennent pas. Et ça peut même générer aussi, du coup, de l'envie, ce qu'on vient de mentionner avant, al-hasad. L'auteur, rahimahullah, continue en disant l'arrogance, d'accord, l'arrogance, le fait de voir, de se voir soi-même en ayant un mérite sur les autres. Ceci est quelque chose qui est donc l'arrogance et qui est interdite. Et ceci peut aussi générer de l'animosité et de l'envie. Et ceci est donc interdit. Donc aussi, on a dit donc l'arrogance est interdite, le fait de voir qu'on a un mérite sur les autres, c'est interdit. Sur son frère, c'est interdit. Ceci provoque al-ihtiqar. Ceci provoque al-ihtiqar. Ça génère un regard d'humiliation, d'accord, sur ses frères. C'est pour ça aussi que c'est interdit, l'arrogance. Car ceci génère quelque chose qui est interdit. Wal-hamzu wal-lamzu. وهو العيب الهمز وتتنقص منه بحضرته يعني تعيبه بحضرته وقال له لمز وإذا كنت تعيبه في غيبته وقال له همز الهمز كأنه غيب تعيبه في غيبته واللمز أن تعيبه بحضرته قيل بالعكس نعم نعم. Maintenant, s'agissant des deux choses qui suivent, à savoir al-hamz ou al-lamz, qui sont des choses interdites et qui ont été blâmées, il y a plusieurs explications à ce sujet quant au sens. Certains ont dit que al-hamz, c'est le fait de nuire, de porter atteinte à son frère en sa présence, et que al-lamz, c'est le fait de porter atteinte en son absence. Et il a été dit le contraire de cela, donc que le premier c'est en son absence et que le deuxième c'est en sa présence. قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم وقال ويل لكل همزة لمزة الله تعالى dit ce dont on comprend et ne faites pas preuve de lamz envers vous-même. Et dans une autre ayah aussi, il dit ce dont on comprend malheur ويل à ceux qui sont qui font du lamz et du hamz. العذاب والهلاك. Al-wail, yani, c'est le ça promet le châtiment et l'anéantissement. Malheur. Wal-abath. Wal-abath. Al-abath aidan yani al-lahw wal-la'ib. Hada aidan yani min al-batil. Yanbaghi tajannubuhu min al-batil. Khususan idha shaghala an ta'ati Allah ta'ala. Kat-shatranj wa ay al-ashya allati yalhu biha ar-rajul idha kanat tashghal an ta'ati Allah ta'ala fa hiya haram. Non. Les choses interdites aussi, la vanité ici, al-rabath, d'accord, les choses faites vainement, comme tout ce qui entre dans les jeux inutiles qui sont des pertes de temps. Et à plus forte raison, si ces jeux inutiles occupent la personne d'adorer Allah, si elles prennent du temps dans l'adoration de la personne, eh bien, et donc qu'elles détournent la personne de l'adoration d'Allah et qu'elles lui prennent du temps en cela, à cause de ces jeux-là, eh bien, c'est à plus forte raison interdit. Il convient que la personne évite ces choses-là. On va donner l'exemple des jeux d'échecs, d'accord, à Shatranj, par exemple. La yajuz an yu'ayyira ahadun akhahu bi dhanbin taba minhu. Hada fi al-hadith nahyu 'anhu. La yanbaghi lish-shakhs an yu'ayyira akhahu, ya'ni ya'ibuhu bi dhanbin kana taba minhu. Il est parvenu dans le hadith aussi qu'il ne convient pas aux musulmans de mentionner son frère s'agissant d'un péché dont il s'est repenti. Ceci ne convient pas. Dans le hadith, من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يموت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يموت حتى يعمل ذلك الذنب. Il est parvenu aussi que le musulman qui mentionne son frère
S'agissant d'un péché dont il s'est repenti, lui, ce frère-là, eh bien, le musulman qui l'a mentionné, lui, eh bien, il ne mourra pas avant d'avoir commis ce même péché-là, lui-même.